Le constructeur italien de camping-car Mobile Veta a choisi le premier jour du Salon des véhicules de loisirs 2024 pour présenter son prototype, le très innovant Fluidine. Ce camping-car ne passe pas inaperçu avec sa carrosserie verte, bien sûr, mais il ne faut pas s'arrêter à ce genre de détails. Il est certes très futuriste en termes de design, mais il dispose aussi d'un équipement et d'attributs liés à sa conception qui en font véritablement un prototype très innovant. Peut-être le camping-car de demain, je vous propose une visite à l'intérieur dès maintenant. Ce véhicule surprend par son design intérieur, ses éclairages multicolores, on peut d'ailleurs faire changer la couleur, et puis par certaines technologies tout à fait modernes, comme les baies latérales qui peuvent être opacifiées électriquement. On repère aussi les rétroviseurs électroniques digitaux. Ici, on les remarque, et bien sûr, grâce à ces deux écrans que l'on voit sur les côtés. Pour ce prototype, le constructeur italien a décidé de mettre en place une chambre à lit jumeau. On remarque l'éclairage de plafond tout à fait original. Et puis, on trouve aussi ici un cabinet de toilette transversal avec une jolie finition. Ce cabinet de toilette transversal, donc, qui est composé de deux compartiments, toilette d'un côté et douche de l'autre, pouvant être réunis par une cloison.